Hop. Salut Baptistou. Salut, et voilà. Magnifique. Salut LowFuel. Avec le dérèglement climatique, en particulier cet été, toutes les sécheresses, etc., etc., on parle beaucoup d'aéronautique et on parle de beaucoup de projets à grand renfort d'images 3D qui vont révolutionner l'aéronautique, des essences magiques, des moteurs magiques, etc., etc. Et quand on rencontre enfin quelqu'un qui a fait quelque chose de vrai, de réel, qui fonctionne, on a envie de vous le montrer. Voilà, ça c'est le Solex, le planeur solaire expérimental, des ailes pour la planète. Et aujourd'hui, il fait une halte à Saint-Crépin. Ce n'était pas prévu du tout qu'on se rencontre. Mais quand on a vu la machine, on a absolument voulu vous la présenter. Bonjour Baptistou, est-ce que tu Salut. Peux nous présenter ta machine du coup? Si tu veux, pour te présenter l'idée, moi je voulais pouvoir voyager, me balader librement. Mmh. Librement, ça veut dire faire des kilomètres, ça veut dire se poser partout pour rencontrer du monde. Ça veut dire se débarrasser de toute logistique. Être autonome donc. Être autonome. Et ça veut dire, dans la mesure du possible, respecter notre planète. Quand j'ai commencé à imaginer ce rêve-là, en fait, ce rêve de voyage, je ne connaissais rien à l'aéronautique. Moi, d'accord. Si tu veux, je bosse en mer, mon monde, c'est plutôt la mer, et puis le voyage en sac à dos, etc. Puis un jour, j'ai découvert le planeur. J'ai halluciné, parce que je ne m'attendais pas du tout à ce qu'avec un planeur classique, donc un planeur pur sans moteur, par une bonne journée météo, tu peux faire plusieurs centaines de kilomètres. Absolument. Juste avec de l'aérologie. Mmh. J'ai trouvé ça juste fascinant. Par contre, un planeur standard, ça décolle pas tout seul. Ouais. Donc, il faut un moyen logistique au sol, souvent un avion remorqueur ou un treuil ou autre. Il existe aussi des motoplaneurs, souvent avec moteur thermique. On commence à en voir avec moteur électrique, mmh. ce qui était le cas de celui-là. Mmh. Je suis parti de la base d'un Silent Electro de la société Alisport, qui fournit déjà un planeur avec sa motorisation électrique qui lui permet de décoller. Je me suis dit, mais attends, si je prends un planeur électrique et que je fous des panneaux solaires sur les ailes, à la limite, en me disant, je ne vais pas faire du vol solaire directement, mais par contre me dire qu'une journée de soleil, ça me fait mon plein de batterie, et bien en fait, finalement, je décolle avec du soleil, je fais de la distance avec du vent ou l'aérologie, et bien c'est ma solution pour voyager librement. Ouais, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le vol en planeur, finalement, c'est monter dans une pompe, avancer, monter dans une pompe, avancer, etc. Et s'il n'y a plus de pompe, on se pose. Là, avec un moteur comme ça, l'hélice se déploie quand on démarre le moteur. Du coup, si on a un petit trou, au lieu de mettre le pied dans le trou, ben, on continue avec le moteur. Tu peux voler toute une journée, ouais. Et pendant que tu voles, tu recharges tes batteries. C'est ça. Voilà. Donc, tu es parti d'une machine de série, électrique. Ouais. À laquelle tu as apporté une option qui est de recharger en vol. C'est ça. Tu peux nous expliquer les modifications que tu as faites sur la machine d'origine? Déjà, pourquoi je suis parti sur une machine qui existait? Parce que ça m'évitait de réinventer la roue. Ouais. Donc j'ai trouvé que ce modèle était une bonne base de travail. La motorisation, le contrôleur, les batteries qui sont à l'arrière dans le fuselage, tout ça c'est du standard, j'ai rien changé, bon, si ce n'est l'électronique et l'instrumentation. Par contre, les ailes, c'est moi qui les ai fabriquées. Entièrement? Entièrement, mais avec eux. C'est-à-dire que le deal, quand j'ai validé l'achat de la machine, le deal avec Alisport, c'était « Ok, mais je viens faire les ailes avec vous ». Du coup, j'ai pu faire toutes les modifs que je voulais pour prévoir l'arrivée des panneaux solaires. Sur les dernières couches de l'aile, ouais. Tu as finalement fait ta sauce. En fait, ils ont fait les longerons, etc. Alors, etc. Et même toi, j'ai aussi fait beaucoup de modifs internes à l'aile. Ah bon? Bah oui, parce qu'une aile standard, c'est pas censé tenir à haute température. Or là, c'est tout sombre, tu poses ta main dessus, tu vas voir que c'est chaud. Ouais. Oui, on est à plus de 60 degrés, très clairement. Voilà, donc j'ai des capteurs de partout. Mon maximum, c'est 67 degrés. Donc, 67 degrés, voilà. D'accord. Du coup, j'ai fait des modifications structurelles par rapport à l'aile d'origine. J'ai mis des matériaux qui tiennent la température, etc. J'ai aussi prévu les passages de câbles à l'intérieur de l'aile et les capteurs de température. Donc ça, c'est un peu les modifs structurels. D'accord. Et alors, la deuxième chose, le deuxième deal avec Alisport, c'était qu'ils me laissent faire une copie des moules. Ah. Pourquoi? Parce que là, j'ai des doubles courbures de partout sur cette aile. C'est une aile qui a des formes très complexes. Mmh. Donc, double courbure égale forme non développable. Mmh. Pour schématiser, si tu prends une feuille de papier que tu veux l'enrouler sur un cylindre, ça marche. Ça marche. Simple courbure. Sur une boule, ça marche sur mal. Sur une boule, ça marche plus. Double courbure. Ouais. Donc, je ne pouvais pas partir de panneaux solaires plats que j'aurais enroulé sur le profil. Ouais. Et j'ai pas trouvé de fabricant capable de me fabriquer mes panneaux en 3D comme ça. Ouais, ce qui serait bien, c'est d'avoir du panneau souple à un moment ou à un autre, mais on n'y est pas encore avec le silicium. La finesse d'origine, c'est 40. Ouais. Donné pour 40 de finesse.
A priori, je ne l'ai pas dégradé parce que j'ai réussi à intégrer les panneaux solaires vraiment parfaitement à respecter le profil d'aile d'origine. Alors, c'est ce qu'on sent quand on touche la machine ici. À part une différence de température flagrante, ouais. Il n'y a aucune espèce de relief. On sent vraiment que tu as très, très bien intégré ça. Malgré le fait que ce soit rigide, tu as réussi à les plier comme il faut. Ouais. Ça, c'est assez impressionnant et j'ai vu que tu avais découpé des cellules photovoltaïques. Ça, je ne savais pas qu'on pouvait découper une cellule et toujours obtenir du courant avec. C'est assez étonnant. Ouais, bah, j'ai trouvé un gars qui savait faire ça, qui l'avait déjà fait. Et donc, c'est lui qui me les a découpés pour moi. Après, c'est moi qui ai fait tous les circuits, évidemment. D'accord. Et du coup, j'ai trois circuits électriques, le bord de fuite, le milieu et le bord d'attaque. Comme on l'a dit, tu t'es basé sur un motoplaneur de série. Donc, c'est un motoplaneur qui permet de décoller de manière autonome. Si tu as décollé de manière autonome, qu'est-ce que tu peux faire comme distance en palier avec ce qui reste de batterie ? Eh ben, en gros, 60 km. J'ai déjà fait, pendant mes essais, un vol de 60 km, décollage inclus. Ça, c'est assez impressionnant parce que quand on pilote en planeur, si on met un petit peu le pied dans le trou, on n'a pas besoin de 60 km pour s'en sortir. Généralement, il faut 4-5 minutes pour aller chercher une nouvelle pompe. Ah bah oui, c'est tout. Ouais. Ma journée type, c'est décoller en début d'après-midi, bouffer entre 20 et 40% de batterie au décollage. Ensuite, je me mets en planeur pur. Éventuellement, je rallonge en mettant un petit coup de moteur électrique pendant le vol, si jamais j'ai des trous, ou à la fin du vol, si j'ai envie d'aller plus loin. Mmh. Je me pose le soir, ma batterie est à moitié pleine, par exemple. Le lendemain matin, j'ai toute la matinée pour que ça recharge. Et je repars à midi, batterie pleine. Donc c'est ça qui est complètement bluffant dans ton système, tu es totalement autonome. Bah oui, là si tu veux, mon Tour de France, j'en suis à ma 17e ou 18e étape. Je suis parti il y a quasiment un mois. Ben, j'ai jamais fait le plein nulle part, je me suis jamais posé la question de savoir où est-ce que j'allais me brancher, où est-ce que j'allais faire le plein. Et j'ai même, pour te dire, j'ai même jamais eu besoin de décaler un décollage parce que ma batterie n'était pas pleine. D'accord, ça c'est plutôt fabuleux. Quand les conditions sont un petit peu nuageuses, j'imagine que ça va rallonger ton temps de charge. Ouais. C'est quoi le facteur à peu près ? Allez, on va dire que quand j'ai pas de soleil du tout, comme on a pile maintenant, ouais. Je charge à moitié. D'accord, ok. À moitié puissance. Oui, donc tu vas prendre un petit peu plus mais de ça temps. Suffit. Mais suffit. L'aéronautique, c'est un moyen de se déplacer rapide pour les gens qui sont pas pressés. Donc au final, tu peux te permettre de rester 2 jours si jamais t'as pas eu l'enseignement. C'est ça. C'est aussi un état d'esprit. Ça fait vraiment partie de mon voyage. Je fais vraiment du cabotage. Ouais. Comme un petit voilier qui va se balader de port en port, ben, si la météo est dégueu, il va attendre, il va temporiser. Dans l'ère qu'on est en train de vivre avec le dérèglement climatique, en aéronautique, il y a deux grands sujets. Il y a le sujet de l'avion de ligne et de l'aéronautique pro. Et puis, il y a notre aéronautique à nous, l'aéronautique plaisir. Et ouais. Celle-ci est particulièrement difficile à vivre. On vit tous les pilotes qui se sentent un peu concernés parce qu'il est en train de se passer vivent un hiatus. Et j'aime bien ta solution parce que ça reste totalement cohérent avec de l'aéronautique de loisir. Ouais. On n'a pas d'objectif de destination, on n'est pas là à dire il faut que j'y sois à telle heure. Toi, tu peux totalement honnêtement, sans te faire des nœuds au cerveau, faire de l'aéronautique sans t'en vouloir. Et ça, je trouve ça fabuleux. Je réfléchis aujourd'hui beaucoup à l'aéronautique que mon fils connaîtra et j'espère que ce que tu as construit fera partie de la solution. Donc c'est un motoplaneur Silent d'origine, ouais. Tu as un moteur brushless, ouais. Tu as des batteries lithium polymère, ouais. Et évidemment la première question que tout le monde va te poser c'est « Ah, est-ce que ça ne va pas exploser ?» Bah écoute, est-ce que l'essence ça explose ? Oui. Bon, t'en as dans ta bagnole, dans ton hélico, etc. On est bien d'accord. Donc tu fais avec. Ouais, c'est ça. Voilà. Le problème des batteries, je pense que c'est un peu équivalent, c'est-à-dire que c'est dangereux. La batterie en soi est dangereuse. Maintenant, il faut qu'elle soit bien construite, qu'il y ait les éléments de sécurité qui vont avec, etc. Moi, ce que j'ai fait, donc, c'est pour ça aussi que pour l'instant, je suis resté sur les batteries standard parce que LZ Design, qui a fabriqué cette motorisation, ces batteries-là, ils les ont éprouvées. Je crois que c'est les 300e qu'ils ont construit, donc elles sont fiabilisées. D'accord. Maintenant, ce qui se passe, c'est que personne ne recharge en vol. Ça, c'est un peu délicat. Et c'est pour ça que moi, j'ai mis une attention toute particulière à mon système électronique de charge qui va lire les données de l'électronique des batteries, le BMS, et qui va autoriser la charge uniquement si les paramètres sont bons. Les paramètres, c'est notamment les paramètres de température, c'est-à-dire qu'entre 10 et 40 degrés, je peux charger pleine balle, il n'y a pas de souci. Entre 0 et 10 degrés, faut que je charge à 8 ampères maximum. En dessous de 0 degré, il ne faut surtout pas charger. Et quand ma batterie, quand les éléments atteignent 4,16 volts,
Il faut que je ralentisse à 1 ampère pour que la batterie fasse l'équilibrage. Oui, c'est une courbe de charge classique sur un lipo en fait. C'est ça. Ok. Est-ce que tu peux nous donner des ordres d'idées de la puissance consommée au décollage, de l'ampérage des batteries et de la puissance que tes panneaux solaires délivrent en kilowattheure? Ouais. Alors, ce que je peux te dire, c'est que en termes de capacité d'énergie, les batteries, c'est 4,3 kWh. D'accord. Le moteur, sa puissance, c'est 22 kW. Mmh. Donc, tu vois, si je décolle, que je laisse pleine balle, j'ai 5 minutes de vol, c'est tout. Ouais. Par contre, quand je fais du palier, je bouffe que 4 kW. Donc, tu vois, j'ai presque une heure de vol en palier. En capacité de batterie, pour que les gens se rendent bien compte, j'ai 10 fois plus de batterie qu'un vélo, mais 10 fois moins qu'une voiture. Les panneaux solaires, au maximum, au sol, ils me fournissent 1 kW. D'accord. Donc tu vois, 4 kW pour faire du vol en palier, 1 kW de panneau, je ne peux pas faire du vol en palier au solaire directement. Non. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, tu vois, ce n'est pas du vol solaire. Ouais. Par contre, tu vois, ce qui est rigolo, c'est que dans mon Tour de France, et ben finalement, je m'aperçois que la plupart du temps, je décolle, je bouffe seulement entre 20 et 40% de batterie au décollage. Au bout de 2 heures, ma batterie est de nouveau pleine. Mmh. Et du coup, j'utilise un peu des fois le moteur pendant le vol. Je me pose le soir, allez, je suis à 70% ou 50%. Mmh. Et le lendemain midi, je suis tout de nouveau est chargé plein. Et tu repars. Ouais. C'est génial. Ça donne vraiment très, très, très envie, je trouve. Et tu vois, je me pose même pas de questions. Tu vois, il est en route, il est en train de charger. Mmh. Quand il sera plein, il s'arrête. Tu vois, je me pose pas de questions. Le planeur, il se démerde, quoi. D'ailleurs, tu peux charger mon iPhone. Oui, j'ai 2 prises USB. Et comme je fais de l'itinérance, je charge mon ordi aussi dessus. D'accord. Et ouais. Enfin, tu vois, c'est génial, c'est génial. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton voyage et ce que tu et finalement ce que tu veux montrer avec ton voyage? Ouais, bah donc comme je te disais, ce rêve de voyage, de voyager librement, de pouvoir me balader librement, m'a amené à cette solution-là. Et ce que je me suis dit, bah tiens, par quoi je pourrais commencer? Bah, un Tour de France, parce que bah, ça me permettra de valider les aspects techniques, valider la faisabilité du vol bivouac, en fait, de l'itinérance. Et puis un Tour de France, finalement, c'est entre guillemets facile à organiser. Mmh. Puis un truc con, hein, c'est qu'un Tour de France par la voie désert avec juste du vent et du soleil, ça n'a jamais été fait. Ben voilà. Voilà. Il y a le Solar Impulse qui a fait le tour du monde, mais ouais, c'était encore une autre affaire, tu vois. Ouais. Et bah tiens, j'en profite juste pour faire une petite aparté parce que les gens se posent vraiment la question, c'est quoi la différence avec Solar Impulse ou les autres vols solaires? Parce que des vols solaires, il y en a eu beaucoup, hein. Les premiers vols solaires, c'est les années 70. Ils ont tous mis de côté l'aérologie. Ils se sont tous focalisés sur faire des records, donc tenir une machine en l'air avec juste de l'énergie photovoltaïque. Mmh. Si tu veux réussir à faire ça, il faut une machine qui soit à la fois très grande pour maximiser la surface de panneaux solaires et très légère pour minimiser l'énergie nécessaire. Donc grande et légère égale fragile, mmh, nécessitant des logistiques au sol conséquentes et très dépendantes, pour le coup, de l'aérologie. Et qui ne sont pas terriblement en adéquation avec le but recherché, parce qu'au final, quand tu vois les hangars qui accompagnent, voilà, le Solar Impulse... Ouais, alors le Solar Impulse, c'est l'excès, mais en même temps, moi, je compare ça un peu à de la recherche fondamentale, c'est-à-dire que ça fait avancer la technologie. Moi, ça m'a beaucoup inspiré, donc... Je ne fais pas une critique du Solar Impulse parce qu'au contraire, c'est un truc qui vraiment me fascine. C'est un banc d'essai. C'est un banc d'essai. Mais pour faire une comparaison très concrète, le Solar Impulse, c'est une Formule 1. Mmh. Une Formule 1, c'est fait pour battre des records. Mais si tu veux aller acheter ton pain avec ou voir tes potes, tu vas la péter au premier dodan. Mmh. Un Solex, par contre, tu peux aller te balader sur les routes de campagne avec. Solex. Voilà. Ouais. Donc moi, en me disant, je ne fais pas spécialement que du vol solaire, c'est l'aérologie qui reste mon énergie principale. Et le solaire, c'est une énergie annexe qui me permet de décoller. Mm-hmm. J'ai pu partir d'un planeur standard. Et un planeur standard, c'est tout terrain, c'est robuste et ça peut voler dans n'importe quelle condition. Est-ce que tu peux nous donner une idée de l'engagement financier que représente un projet abouti comme celui-là? Ouais, c'est à peu près une maison. C'est à peu près une maison? Elle est dans quel coin? C'est plutôt le Darzac ou... Pour te donner des chiffres, moi je me suis donné comme un budget de 150 000 euros hors taxe pour monter ce projet-là, cette machine-là. D'accord. Budget que j'ai réussi à respecter. La machine de base, si tu l'achètes chez Alisport, elle va être à 100 000 hors taxe à peu près. D'accord. Voilà. Par contre, ce que j'ai pas compté là-dedans, c'est mes heures de main-d'œuvre. Oui, évidemment. Voilà. Donc à peu près 100 000 pour la cellule de base avec son moteur, ses batteries, etc. Ouais. Prête à voler. Et ensuite, 50 000 euros d'investissement en matériel, outils, ouais, etc. Un peu de R&D, enfin, de voyage, que j'ai fait moi-même, ouais, de faire des moules, de faire des ci, des ça, tu vois, des essais. D'accord.
Bah, finalement, pour une réussite aussi flamboyante, j'ai envie de dire, c'est plutôt bon marché, quoi. Là, aujourd'hui, je pense que tu pourrais aussi rajouter une éolienne. J'imagine que tu ne vas pas t'arrêter en si bon chemin. C'est quoi la suite? Ben, comme tu as vu, c'est un projet perso à la base. Et là, pour l'instant, j'ai tout fabriqué sur fonds propres. Et ça, c'est ce premier petit monoplace. Et je me fais plaisir avec en Tour de France. Ouais. Mais c'est un projet qui a tellement de résonance avec toutes les problématiques environnementales auxquelles on fait face en ce moment, que j'ai envie de, le mettre au service de la cause environnementale, mais aussi de le rendre accessible au public. D'accord. Donc un biplace. Voilà. Ah, trois biplaces. Trois biplaces. Trois biplaces. Pas une pour faire des solaires. Voilà. Faire des avions en série, ça, tout le monde me pose la question. Ah, tu vas le commercialiser. Bon, personnellement, je m'en fous. C'est pas mon trip. Ouais. Mais par contre, la question environnementale, moi, elle me tient à cœur. Et mon trip, c'est de partager mes aventures et mes expériences. Et d'aller découvrir les expériences des autres. Pourquoi ? Moi, j'ai une super solution pour mon quotidien qui est le voyage. C'est pas une solution qui est adaptée à tout le monde. Mais l'humanité de demain, si c'est une humanité durable, capable de vivre sur Terre indéfiniment, elle sera faite de milliers de petites solutions. On est d'accord. Donc ces petites solutions, il faut aller les découvrir. Et si tu veux, moi, ce que je fais avec cette machine, je peux l'illustrer de manière très concrète. Et c'est ça qui est rigolo, c'est qu'il y a plein de thématiques que je peux vraiment aborder avec ce projet-là. Par exemple, quand je te dis que ce n'est pas une solution unique qui va nous sauver, bah regarde, là, typiquement, si je m'étais dit, allez, j'utilise que du solaire, bah, j'aurais une machine grande et légère et pas tout terrain. Ouais. Donc ça n'aurait pas marché pour le voyage. C'est intéressant. Je me serais dit, bah tiens, je vais utiliser que du vent, bah, je prends un planeur pur, mais je décolle pas. Donc je suis comme un con. Ouais. Par contre, si je combine les deux, bah, je fais le Tour de France. Et ça, c'est fabuleux. On est bien d'accord. Et encore une fois, moi, ce que je trouve fascinant, c'est qu'on est bien loin des grands discours qui sont plutôt des discours de lobby où on te dit on va faire des projets technologiques qui vont sauver tout d'un seul coup, etc. Non, on est sur une initiative personnelle et qui mène à quelque chose de fonctionnel et qui a prouvé. C'est ce qu'on appelle un proof of concept. Bah, c'est ça. Et ça, moi, j'achète parce que tu n'es pas là à me montrer un truc en 3D en me disant mets-moi un million sur la table et je te fais un avion supersonique électrique et qui ne pollue pas. Tu me dis, bah moi, pour mon petit problème, j'ai trouvé une petite solution et si chacun fait la même chose, il n'y a plus de problème. Voilà. J'aime bien. Donc, tu vois, si tu veux, l'idée maintenant, c'est moi, je suis arrivé au bout de mes moyens. Donc, l'idée, c'est de trouver des partenaires, donc sponsors, mécènes ou voilà, mais trouver des partenaires pour avoir les moyens de faire deux ou trois biplaces qui volerait toute l'année, soit en faisant des grandes expéditions comme ce que je fais en faisant le Tour de France, soit en faisant du vol local, tu vois. Mais s'il y a plusieurs machines, je ne vais pas voler dans tout en même temps. Oui, bien sûr. Donc l'idée, c'est de fonctionner à la manière d'un aéroclub associatif, ouvert à tout le monde. Itinérant. Itinérant. Toi, tu sais piloter, bah, très bien, tu viens piloter avec moi sur des grands vols où tu vas emmener des gens. Toi, caméraman, caméraman ou toi, je sais pas qui, t'y connais rien, mais tu dis, ah, j'aimerais bien toucher ce projet-là, découvrir un peu l'aventure. Écoute, viens dans le siège passager, on fait un tour, tu vois. Et utiliser tous les vols pour illustrer ben, tous les thèmes qu'on peut illustrer avec, hein, mobilité, énergie, gestion des déchets, dépendance de la météo, organisation de ta vie. Enfin, tu vois, il y a un panel d'actions qui est énorme. Mais ça peut être aussi donc, participer à des événements, que ce soit des meetings aériens ou simplement, ce n'est pas forcément un projet uniquement aéronautique. C'est vraiment d'aller voir plus loin que ça et d'aller échanger, de découvrir des solutions, de les partager et de réfléchir comme ça à comment vivre de manière durable. Ouais, je crois qu'on peut faire un appel très très clair à tous les gens qui passent leur temps à sponsoriser des initiatives plus ou moins politiques, plus ou moins de lobby, plus ou moins des grands discours en l'air. Là, vous avez quelqu'un de jeune, relativement jeune, qui mène au bout un projet. Et je crois que ça, c'est la plus grosse preuve d'implication dont on a besoin. Et c'est là-dessus qu'il faut miser. C'est sur ce genre de choses-là, pas sur des grandes initiatives en 3D. Moi, j'adore. Et est-ce qu'il y a des endroits où, est-ce qu'il y a un endroit où on peut te soutenir ? Alors, me soutenir, c'est déjà me contacter. Il y a le site web des ailes pour la planète. Desailespourlaplanete.com.fr. Desailespourlaplanete.fr. On va mettre le lien dans la description de la vidéo. Et après, Facebook et Insta, pareil, des ailes pour la planète. D'accord. Merci Baptistou. Encore une fois, un immense bravo parce que c'est une réalisation. Ce n'est pas uniquement un projet, ce n'est pas uniquement des mots en l'air. Et moi, je suis encore une fois fasciné par les gens qui vont au bout de leurs rêves et de leurs idées. Donc un grand bravo. Si des gens qui ont des moyens de production, des moyens financiers, des moyens de communication regardent cette vidéo, il faut contacter Baptistou et il faut l'aider.
Il en va de l'avenir de notre planète. Merci. Merci Baptiste.